À l'action depuis le 6 juillet, la saison régulière de la Vitalo Basketball League a terminé ce samedi. Au rendez-vous, comme d'habitude, 4 matchs pour cette 14e et dernière journée, mais des chocs pour continuer la saison régulière de cette année. À 13h, Ulmani affrontait le club Les Hippos. Déjà éliminé des playoffs, même avant son match, les hommes des Camerounais, coach Jean-Claude, n'ont pas pu créer la surprise et ont concédé une défaite de 70 contre 58. Cette victoire a permis au Blé d'Ulmani de remporter pour la 3e année consécutive le titre de champion de la saison régulière. Après ce match, Hakiziman Elvis Digafisi, devant nos caméras, a fait le point sur la saison régulière, mais aussi les playoffs à venir. À partir de là, on est dans une liste. Moi, je me suis rendu compte que j'ai mis. Je dois tanguer. Il s'en met tout le temps. Moi, j'ai ma main sur ma zébushika. Tu en as eu quoi? Tu peux te le dire. Quand on a playoff, il y a ma zébukuira. Donc, ici, j'ai ni bikoko. Il en voit. Je le puis toi. Il me dit aussi que nous n'avons pas besoin de nous occuper de nous. Nya, tu sais, malheureux, tu m'as besoin. Quand on va se faire, on va y couvrir. On va y renforcer la bonne. Ah, ma, tu l'as vu quoi? On ira playoff en Zidza. Mugabo unya twotoraba yuko ngira ngo mayiko hari nabatakinye none musi twotora bakaruhu kugira ngo tangure playoff bose bari mu manzu zemeza amakontinu meza bafite amagara meza amatora yuko twataka turi ya 100% rero mu performance yabo kuba baragabanutse c'est vrai a haba ama ajustement ama temps de jeu bitegeje gusaba kinyi benshi meza kandi je gendera gabanuka mugabo nze yabihajya impact yabirahari gushaka no gusa birashika nyine wasanga bo abarushye cyane bakagwara mu narengeje ari umushaho kunafisa ka pretension physique cyo wasanga akinye atameze neza buri usangi turashimwe ingano byagenze urabona yuko hari yari ho niveau nibyo yari komeje yose bakarekana basket nziza ari ku rwego rushimishije ku rwego ruhambaye rero kubona dukurutse uno munsi bwa mbere na mbere ndashimye ko uratambura duciriyemo kubera no kudukinira no hanze tukizera yuko itazanduje mu mutwe yabwira ngo dukine turi makonje meza sino hanini ndashima ngene igano ryagenze ryagenze neza subwo ndo twa ya mbere mugabo abantu bose baje kuri basket barashimye najewe sino ndashimye me qu'est-ce qui a manqué au club des Hippos malgré les recrutements massifs quelques éléments de réponse dans cette interview nous accordé par l'entraîneur Jean-Claude. Ce n'était pas forcément la victoire contre l'Ulmani, mais une victoire n'est pas seulement quand on a gagné un match. C'est lorsqu'on a le plaisir de voir répéter les choses qu'on a faites aux entraînements. Et justement, dans ce sens et dans ce cas précis, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu corriger entre-temps avant d'atteindre les playoffs. Donc, j'aurais aimé être là un peu plus tôt. Pour donner un coup de main au club des Hippos, c'est-à-dire un mois avant, on aurait tout changé. Donc voilà quoi. Il y a des choses qu'on devait corriger avant qu'on n'a pas pu corriger en très peu de temps. Donc, c'est ça le problème. Ah, je crois qu'il y a de fortes chances.
Ça, c'est, je nourris l'espoir de toute façon. Donc, j'aimerais bien reconduire cette équipe qu'on suit et prouver qu'on a un niveau plus élevé que ça. C'est très dur, mais j'aimerais qu'on le trouve partout, dans tous les clubs qui viennent à ce niveau, c'est-à-dire dans le mercato et puis au play-off, qu'on le trouve beaucoup plus, au moins 4 joueurs burundais. Ça, c'est mon souhait. Maintenant, on s'excuse. Je crois qu'on fera mieux la prochaine fois, ça c'est sûr. Pour clôturer cette dernière journée, Chuma Toto Noé et ses coéquipiers devraient affronter les Mecha BBC, solide troisième de cette saison régulière. Après des poussées massives et sans relâche des hommes de Robert Mugabe, Dynamo a fini par prendre le contrôle du match et s'imposer avec 63-47. Malgré cette défaite, l'entraîneur principal de l'Emesha a promis une grande bataille durant les playoffs. Si je sema kuna kitu kimekosa. Tumecheza vile viwango vyetu tumeonyesha mahali ambapo tumepungukiwa, tukajaribu tuongeze. Sio? Ni game, kuna mshindi na anaishinda. Kwa hivyo siwezi sema ati nimekosa kitu, sijakosa chochote. Kujiandaa ni kubakia na malengo yetu ya mwaka mzima. Na lengo ni kufika finali. Sio? Kwa hivyo sisi ni kurudi tu kwa mazoezi, tuendelee kurekebisha mahali palikosa. Alafu tuendelee kujenga kutoka kwa sababu haitafanyika kwa siku moja. Na ni vizuri tuko kwa wanne bora tayari, hiyo ni kitu kizuri tayari, hiyo ni achievement. Lakini sasa hivi tunajiandaa kwenda mbali zaidi. Sijui kama kuna mtu anakuja ambaye najua hawa ndio wachezaji niko nao. Kama kuna wengine pengine mtajulishwa, kwa sababu hiyo sio level yangu. Hiyo ni management wanaangalia, na kuna watu wanaohusika na hiyo mambo, sio kwangu. Wahusika wameona na wanajua mahali wataongezea. So siwezi jua sasa hivi tunaongeza nani. Sijaambiwa. Hawa ndio wachezaji niko nao, hawa ndio wachezaji na prepare nao kuja nao kwenye hiyo robo final, semi final. Kwa hivyo kwa mchezaji mpya mimi siwezi kudanganya, sijui. Ni support tu. Hatuwezi badilika. Timu iko, tuendelee kuamini. Kwa sababu mimi naamini kuwa ni mchezo. Tukijiandaa vizuri, tukija na nguvu ya kucheza, tukija na mindset nzuri, tunashinda. Ni mchezo. Kila mtu wakati timu nyingine inafunga, na sisi tunapata chance na mpira ya kujaribu. Sawa. Kwa hivyo ni game ambayo iko fair, lakini yule mwenye anaitaka zaidi ndio wako na uwezo. Kwa hivyo kwa mafano naweza sema tu tukue wavumilivu, tuendelee kujenga, tuendelee kupiganisha. Havijaisha. Na mimi kila siku nawaulizana nyie, hakuna mtu ameshinda ligi. Nani ameshinda ligi hii mwaka? Hamna. Kwa hivyo bado sote tuko na chance. Hizi timu zote nne bado ziko na chance ya kupita kwenda final. Kwa hivyo mimi sijajitoa nje, mimi naamini bado niko na magemu ya kucheza. Na naamini kuwa tutashinda. So lengo langu mimi ni kufika final. Sijakuja hapa kusema ati tunacheza tu hapa. Na hiyo kufanya hivyo tutajaribu na tutie bidii zaidi. Tuongezee mahali kumekosa na tujipange tena vizuri turudie sawa kama timu. So mafano tunatakia wazidi kuja, wazidi kutusupport, wazidi kuencourage wachezaji na tusonge mbele. Pour le premier tour des playoffs qui débuteront le 7 septembre prochain, Ulunani affrontera Tigers BBC et Dynamo fera face à l'Emesha dans une série de 5 matchs.